La voix Léo X en elle-même est assez structurée en ce sens qu'elle doit véhiculer trois matières spéciales, entre guillemets. Le sens, la signification, le souffle et le verbe. Quoi dire à qui? La transmission d'un message. En communication, il est important, pour se faire comprendre, d'expliquer ce que l'on doit signifier et ensuite, dans un second temps, de le refaire formuler. Avez-vous bien compris ce que j'ai dit? Pouvez-vous me l'expliquer ou me le redire? À ce sens, la reformulation permet de voir si la personne a compris le message qu'on lui a transmis. Il est intéressant de faire une relation avec le chamanisme qui, par rapport à la Pachamama, apporte son respect de l'être humain à la nature, notamment dans les règnes animal, végétal et minéral. C'est vrai que la voix humaine est un trait d'union entre les êtres humains. Et finalement, qu'importe la langue parlée, finalement, quand la voix est juste. Par exemple, un berger, simplement par un sifflet, par un code, peut éventuellement apporter une information à son chien ou bien à son troupeau de brebis. C'est-à-dire que si le chien a eu le message du berger qui lui était éventuellement et strictement adressé, ce n'est pas au troupeau, c'est vraiment au chien. Et la même façon pour le troupeau. Il y a un code, une concentration dans la voix qui permet d'établir une relation entre l'émetteur et le récepteur. En chamanisme, presque la prière dans le silence utilise les mêmes matières avec son sens, sa signification, son verbe. Donc là, c'est un verbe silencieux qui se fait à travers la prière, mais qui est formulé. Ce n'est pas du vide, c'est quelque chose qui est plein, qui existe. Aussi bien qu'avec son verbe écrit, mais pensé. Donc une prière n'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose d'encore plus plein, qui est concentré et qui s'adresse éventuellement à une entité. De même, le chamanisme, par sa voix chantée, VOX, chantée, est une façon d'entrer en communication avec l'un des règnes cités, donc animal, végétal ou minéral. On peut éventuellement avoir recours à des incantations entre guillemets chantées pour soulager un mal d'une personne, pour le soulager simplement par le chant, donc s'adressant à un être humain. 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose, c'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Donc, un compromis entre la psychologie
le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.